Bonjour, je m'appelle Natacha, je suis phytothérapeute experte en cosmétiques naturelles. Aujourd'hui, je vais réaliser un masque à l'argile antioxydant à la spiruline. Avant de réaliser ma recette, je n'oublie surtout pas de désinfecter tout mon matériel et mes contenants avec de l'alcool à 90. Pour réaliser cette recette, j'ai besoin d'un petit peu d'eau florale de géranium ou une autre si vous n'avez pas, de l'argile rouge de préférence pour les peaux sensibles, un petit peu de spiruline en poudre. Si vous n'avez pas la spiruline en poudre, vous pouvez prendre un comprimé et l'écraser par exemple. Un petit peu d'huile d'abricot bio et une huile essentielle traitante. J'ai choisi le romarin. Je vais dans un premier temps mettre un petit peu d'huile dans le bol, l'équivalent de quelques gouttes. C'est nécessaire pour diluer l'huile essentielle. Donc je vais mettre une goutte d'huile essentielle de romarin cinéole. Je mélange rapidement. Je mets ensuite la spiruline, donc l'équivalent d'une pointe de couteau à peu près, et 2 cuillères à soupe d'argile rouge. Je mélange. Et je vais maintenant verser mon eau florale de manière à obtenir un masque onctueux. Et je vais bien mélanger pour éviter les grumeaux et que le masque soit bien homogène. Je vais pouvoir utiliser maintenant ce masque antioxydant tout de suite sur le visage, laisser poser 5-10 minutes et le rincer ensuite.